פרק שיעי, דף זיין עמוד א', דף נוסון לא שבת, שפיק נוס, שרפד כתכוי הסט. שקורא גפואת כל חולי עמו ישראל. אמן. כלל הם שום רפאל בני. אמן. משפחתו יצחק בן אסתר, משה מוריס בן שרה. אסתר, לא, אלכסנדר אסתר בת לונה. וציטו. רבי סבא מסודי בת לונה, מה סוף של אני? מסודי בתלונה לעילוי נשמתה, שזה היום פקידת שנתה. מרסי בוקו. תודה רבה. ממר עושי. אוי. פה ממר זה מסודה בת תמר. מסודה בת תמר שנפטרת לבית עולם הקיום. נפטרת, hier c'était la fin de sa journée, hier. Qui en met mort. Voilà. J'ai vu PLP à Daberbo. Ça m'a intrigué hier. Alors j'ai essayé de voir avec le marchand. Le marchand, il sait exactement ce que j'ai posé comme question. Alors je sais qui vendit les dates anonymes. Et il dit comme ça, une fois qu'il a choisi Moshe Rabbeinu de s'éloigner, Akadosh Baruch Hu PLP, de bouche à bouche, il lui a dit, je suis d'accord avec toi. Ça, PLP. Et il dit également, Moshe, Rabbi, il dit également que Myriam et Aaron ne pensaient pas que Akadosh Baruch Hu était d'accord avec lui. Jusqu'à ce qu'il leur a dit à Akadosh Baruch Hu. Alors, on est dans la troisième. Vous vous rappelez la Braïta, la Braïta avait dit qu'il y a trois choses que Moshe Rabbeinu a établies de lui-même et à Kadosh Baruch Hu iskim mimo. Un, il a ajouté un jour de plus. Je sais pas pourquoi, parce qu'il a été doresh hayom ou mahar. Hayom ke mahar. De même que mahar lelo imbo, ainsi ayom doit être lelo imbo. Ayom ke mahar. Et la deuxième chose, c'est que il a dit Moshe Rabbeinu, puisque Am Israël qui n'est pas destiné à avoir un rapport avec Hakadosh Baruch Hu tout le temps, et quand il a voulu leur parler, il a demandé à ce qu'ils soient séparés de leur femme. Moi qui suis appelé à parler à Kadosh Baruch Hu à tout moment, il faudrait que je sois prêt. Veiskim Eimo. Kadosh Baruch Hu a été maskim, il lui a dit Lechem Olaim Shuvu Lachem Leao Lechem, retournez à votre tente. Et la tente, c'est la maison, la femme dit, comme il dit, pour le Kohen Gadol, il dit Vechiper Ba'ado, Ad Beto, Beto Zo, Ishto, Beto Zo, Ishto. Et les Arabes, quand ils veulent saluer la femme et demander des nouvelles de la femme, ils disent איך בית. שכבר אהל דר. אוהליכם.
le ohel de la maison, c'est-à-dire ce qui fixe la maison, ce qui donne une fixité à la maison, un point de repère à la maison, c'est la femme. C'est elle qui akeret habayit, ikar habayit. La troisième chose, on a dit shiberet haluchot. Il a cassé les tables de la loi. Shiber et haluchot. Maïdarish, quelle a été son interprétation, pourquoi il est arrivé à casser les luchot? Amar, Uma Pesach, Shu Echad Mitariag Mitzvot. Pesach qui, lui, est une mitzvah parmi les 613 mitzvot. C'est ça, Pesach. Amra Torah, la Torah a dit, Bechol ben nechar lo yochal bo. Tout homme étranger, nechar, étranger, et entendez par là, même un Israélite, Shehit Naker, le Aviv Shubashomay, Shehit Naker, qui est devenu étranger pour son Dieu, Ken, lo yochal bo, il ne doit pas manger Pesach, Korban Pesach. Il dit à Torah Kula, Kan, c'est-à-dire pour une mitzvah qui est Korban Pesach parmi les 613 mitzvot, la Torah a exigé à ce que quelqu'un qui est étranger, c'est-à-dire qui se comporte étrangement vis-à-vis de HaKadosh Baruch Hu, comme si c'était un étranger pour lui, il ne doit pas manger Korban Pesach. Ça va? Am Israël maintenant, avec Avodah Zara, ils ont renié עכשיו, לבני ישראל, התורה כולה כאן, וישראל מומרים. ישראל, סדיר, סג'יל, בתות לתורה, פיסקו ישראל, שונשי דיביניטי מומרים, על אחת כמה וכמה, כי נמרית פעדיתו דבר תות לתורה. D'où nous avons que HaKadosh Baruch Hu a été d'accord avec Moshe, parce qu'il lui a dit, Shenemar, Asher Shibarta, que tu as cassé. Asher. Il n'avait pas besoin de dire Asher Shibarta. Il dit, les luchot, Ken, Shibarta. Asher Shibarta, Milashon, Yishar Koah. אשר ואמר ריש לקיש, ריש לקיש עדי קונסם, ישר כוחך ששיברת. ישר כוחך ששיברת, כתפורס סוא ישר אס, תדיר, כאלה, qu'elle soit ferme parce que tu as été mishabret al-luchot, parce que tu as cassé les luchot. Mashma que HaKadosh Baruch Hu a consenti à cet acte de Moshe Rabbeinu. Et qui est le rab, Rabbi, que vous avez dit, qui a dit ça? Reish Lakish. Ça ne vous inspire pas cette conduite de mon cher Abenou? Comment est-il possible que Moshe, HaKadosh Baruch Hu lui a confié les luchot. Les luchot, n'est-ce pas, Maaseh Elohim Hema.
c'est quelque chose qui a été fait par HaKadosh Baruch Hu. Bien, Mikhtav, Mikhtav Elohim. Et l'écriture, c'était une écriture de HaKadosh Baruch Hu. Comment Moshe Rabbeinu peut-il se permettre de casser ces luchot qui sont Maaseh Elohim? Il faut du courage intérieur, moral, à Moshe Rabbeinu pour pouvoir. C'est pas simple. Les luchot étaient des luchot pesantes, pèsent lourd. C'est amma al amma, shishat fahim sur shishat fahim, sur shishat fahim, c'est un cube, le double. Et Moshe Rabbeinu, il les a laissés tomber, il les a cassés. Rabotai, Moshe Rabbeinu, c'est ça justement ce qui caractérise l'intransigeance de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a défendu l'honneur de HaKadosh Baruch Hu. Aluva, Hakala Shizinta, Behupata. La Kala, encore Behupa Shela, Am Israël. Il se trouve dans le dénuptial, dans les 40 jours de son mariage avec HaKadosh Baruch Hu. Et il a été infidèle à HaKadosh Baruch Hu. Il dit à Louba, elle ne mérite pas du tout, puisqu'ils sont devenus des mécréants, ils sont devenus des bnei nechar, des gens étrangers pour HaKadosh Baruch Hu, qui ne reconnaissent pas HaKadosh Baruch Hu. Moshe Rabbeinu a dit, il ne mérite pas du tout d'avoir la Torah. Comme celui, ce Ben Nechar, qui ne méritait pas d'avoir sa part dans le Korban Pesah. Le Yochalbo, il ne peut pas du tout manger le Korban Pesah. HaKadosh Baruch Hu, Hiskim, il a été d'accord. Quelle a été la motivation de Moshe Rabbeinu dans tout cela? Moshe Rabbeinu, oui. Il vaut mieux qu'il soit Hotim, les fini Kabbalat Torah, que les Kabbalat Hot, que lorsqu'il les reçoive après Poté. Pour Moshe Rabbeinu, les luchot, c'est quoi? C'est la preuve comme quoi Am Israël est marié à HaKadosh Baruch Hu, est uni à HaKadosh Baruch Hu. Les luchot, c'est la preuve. C'est comme une ktouba pour une femme. Ben Moshe Rabbeinu, il a dit, je vais casser la ktouba. Je vais la déchirer. Comme ça, si demain HaKadosh Baruch Hu veut prendre Am Israël et les déclarer d'infidèles, il va lui dire, montre-moi la Ktouba comme quoi ils sont mariés à toi. Comme il n'y a pas de Ktouba, la Ktouba a été cassée, a été brisée, HaKadosh Baruch Hu ne peut pas prouver. Et s'il ne peut pas prouver, il ne peut pas du tout exterminer Am Israël. Voilà toute la motivation de Moshe Rabbeinu. Ce qui a poussé Moshe Rabbeinu à le faire, c'est pour montrer que les Bnei Israël ne sont pas du tout, ne méritent pas du tout d'avoir la Torah entièrement maintenant. Maintenant qu'ils ont fait cette infidélité, il mériterait peut-être que HaKadosh Baruch Hu les extermine. Alors, au moment où HaKadosh Baruch Hu voudrait le faire, Moshe Rabbeinu lui demandera où est la preuve du mariage.
d'ailleurs, pour que réécrive sur les lochot, le deuxième lochot, il a dit à Moshe, Pesol lecha lochot abanim karishoni. Pesol lecha. Il a dit, le Midrash, il a dit, toi tu as cassé, c'est toi qui dois payer les lochot. Tu les as cassés, tu dois les remplacer. Pesol lecha. Avant, c'est moi qui ai fait ça. Avant, c'était Be'alouchot Masé Elohim. Imaginez un petit peu, quand il a cassé les louchot, les outils de la Torah partout, les outils de la Torah sont envolés. Se sont envolés. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi se sont-elles envolées? De là, les Hachamim disent que si jamais les premières lochot n'avaient pas été brisées, jamais on n'aurait oublié la Torah. Il n'y aurait pas d'oubli de la Torah. Maintenant qu'il y a, ça a été brisé, maintenant que ça a été brisé, il y a eu l'oubli. Et s'il y a eu l'oubli, il y a eu la possibilité à ce qu'on apprenne la Torah, même avec des traductions, des targumim. Rabbi Yosef, alors Shalom, il dit Elav ha-yoma, kamma. Yosef, Ika, B, Shuka. Il love Hayuma. Si ce n'était pas le jour qu'il avait ajouté Moshe Rabbeinu sur les trois jours, il love Hayuma. Kama Yosef, Ika, B, Shuka. Combien de Yosef serait là dans le chouk? Il n'y aura pas du tout de Rabbi Yosef, il n'y aura que de Yosef. Qu'est-ce qu'il a dit? Regardez, c'est une explication que le Hatam Sofer Alav Shalom a donnée. Et c'est une explication extraordinaire. On sait que Rabbi Yosef était Sagenor, était aveugle. Un aveugle ne peut pas apprendre la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah est écrite. Et la Torah, c'est Bichtav, Asur Leumra, Be'alpe. La Torah, c'est Bichtav, une Torah qui est écrite. Il est interdit de la dire Béalpé oralement. Comment Rabbi Yosef devait-il apprendre la Torah? Rabbi Yosef, il apprenait la Torah par le Targum. Il apprenait la Torah par Targum Unkelos. Plusieurs fois, vous trouvez dans la Gemara qui dit Targem Rabbi Yosef. Comme Rabbi Yosef y était mais Targem. Pourquoi? Parce que c'est lui qui apprenait la Torah selon le Targum. Et pourquoi on a autorisé le Targum? Parce que il y a eu l'oubli. Et l'oubli est venu parce qu'il y a eu la brisure
des tables. Quand est-ce que les louchotes ont été détruites et brisées? Quand? 17 Tammuz. Tammuz. 17 Tammuz. Normalement, si Moshe Rabbeinu n'avait pas ajouté un jour, le 40e jour aurait été le 17 et ne serait pas du tout détruit. Parce que dès le départ, on a eu les 40 jours. Mais comme les Loïmbo, on a attendu jusqu'au 7 Sivan pour monter. Et le 17 Tammuz, quand il est monté, Loïa le Loïmbo du 7. Donc il fallait attendre après le 17 qu'il soit le Loïmbo pour récupérer la nuit du 7, qui n'était pas avec le 7. Alors, Ilav Hayoma, s'il n'y avait pas du tout ce jour qu'avait ajouté Moshe Rabbeinu, on ne serait pas tombé dans le 17 Tammuz. Il n'y aurait pas eu d'erreur de la part d'Israël. On n'aurait pas fauté. S'il n'avait pas fauté, les tables ne seraient pas brisées. Si les tables n'étaient pas brisées, Rabbi Yosef n'aurait pas pu apprendre la Torah. Et comme la brisure des tables a amené l'oubli et l'autorisation d'apprendre la Torah par les Targoum, Rabbi Yosef est devenu Rabbi Yosef. Nous sommes dans la page. On a dit Rosho Ketem Paz. Paz. Rosho Ketem Paz. Rosho, c'est de Ketem Mirtam, c'est-à-dire c'est une pureté, et Paz, c'est de leur fin, de leur cure. Barbou Khatanoumai. Amen. Écoutez, c'est extraordinaire. Rosho Ketem Paz. Toutes les lettres de l'alphabet. Quand on arrive à la somme Paz, Paz c'est 87. Quand on arrive à Paz, on recommence. Je vais vous expliquer. Prenons Aleph. La lettre du milieu, c'est Lamed. Alors, on part par Lamed. La mètre, c'est 30. La lettre médiane de la mètre, c'est quoi? Même. La mètre est même, ça fait 70. Même s'écrit même, yud, même. Yud. Ça fait 80. Yud, la lettre médiane de yud, c'est Vav. Ça fait 86. Vav, la lettre médiane, c'est Aleph. 87. On est parti par Aleph. Lettre médiane, Lamed. On revient Aleph, Lamed. À 87. Bête.
On va aller par Yud. Yud, ça fait 10. La lettre médiane de Yud. Vav. Ça fait 16. Vav, Aleph. 17. Aleph, Lamed. 47. Lamed, c'est même 37. Après même Yud. On est parti par Yud. On revient à Yud. Rosho, qui est un paz. Que vous sautez à Tastalim. Rosho, qui est un paz. Quand on arrive à Paz, automatiquement, on recommence. Et on redémarre. C'est extraordinaire comment la Torah, elle est. Qu'est-ce qu'on recommence, Rabbi? Vous êtes parti par Aleph? Oui. La Med. C'est la... Oui, non, j'ai très bien compris cette procédure. Mais ce que je veux dire, c'est que maintenant, on est arrivé à la page 87. Qu'est-ce qu'on recommence à partir de maintenant? On revient à la Med et on recommence. Ah, on revient à la Med. Okay. D'accord. Ok. C'est-à-dire le début. Oui. Quand on arrive au bout de la course, on revient au début. Au début. Et c'est toujours après 87, après le nombre 87. Ce qui est... Vous avez également tous les noms, je vérifie par 9. On va prendre par exemple David. David, c'est 14. 1 et 4. 5 de 14. 9. Abraham, 248. Ça va? Alors, 248, 2, 4, 8, ça fait 16. 16, on a ôté de 248. Ou bien 1 et 6, 5, 7. 7 oui. Moins 14, 48, ça fait 241. 41. 2, ça fait 4 et 1. 9. 7. Encore une autre fois. 248. 2 plus 4. 6 et 8, 14. 14. Alors, 14 moins 248. 234. 2, 3, 5 et 4, 9. Voilà. כדי להגיד אמת. זהו. אמת aussi. Comment? אמת aussi 441. C'est sûr, אמת c'est 441. Et אמת c'est 9. C'est 9. C'est la preuve par 9. Tashma, on continue. Vayu nechunim layom ha-shilishi. Ils seront prêts. Layom ha-shilishi, troisième jour. Layom ha-shilishi. Ce n'est pas du tout comme il a dit Rabbi Yosef. Rabbi aussi. Rabbi aussi, pardon.
pas comme il a dit, parce que si c'est la Yom HaShishi, ça aurait été vendredi. Vendredi. Alors, il dit comme ça, Kashia, les rabbis aussi. Alors, il lui dit, qu'est-ce que tu poses comme question? Amrinan, Yom Echad aussi Moshe Midato. Moshe a ajouté un autre jour. Donc, les, Moshe Rabbeinu n'a pas dit la Yom HaShlishi. Il dit les Shloshet Yamim. Shloshet Yamim. Après trois jours, Mashma que Moshe Rabbeinu il a ajouté un jour. Et c'est la position de Rabbi aussi. Tashma, Shlishi, Shlishi Bachodesh, Shlishi Bishabbat, Kasha le Rabbanan. Tashma, on a dit que ce Shlishi, la Yom HaShlishi, Ken, c'était Shlishi Bachodesh et qui est également Shlishi Shabbat, c'est-à-dire le mardi. Si on dit c'est Shlishi Shabbat et Shlishi Lachodesh, donc ce n'est pas comme Rabbanan parce que le Shlishi Bishabbat était le 2, puisque Rosh Chodesh pour les Hachamim était lundi. Lundi. Kasha le Rabbanan. Ah, il a débuté un lundi, oui. Amre lecha Rabbanan, hamani Rabbi Ossihi. Cette braïta qui dit Shlishi était Shlishi Bachodesh et Shlishi Beshabbat, c'est Rabbi aussi, c'est pas moi. Tu me poses la question à partir de la théorie de Rabbi aussi, moi je suis pas d'accord avec Rabbi aussi. Ça va, vous êtes d'accord avec ça? Les Hachamim ont dit, cette vraie étape de laquelle tu me fais une kushia à moi. C'est une vraie étape qui convient à Rabbi aussi, pas à moi. Pas à nous, Rabbana. Alors, Shlishi les mailles. Alors, si tu dis que la braïta convient à Rabbi aussi. Mais le passage qui dit Yon echonim la yon Ashelishi, Rabbanan ne peut pas du tout éluder qu'il y a Yon Ashelishi, alors Shelishi de moi. Et si tu dis Shelishi la Chodesh, Shelishi la Shabbat, c'est bon. Mais tu dis ça convient à Rabbi aussi, pas à toi. Alors, c'est pourquoi on a dit Shlishi, pourquoi Kadosh Baruch Hu dit Yom Echonim, la Yom HaShlishi. Alors, il te dit comme ça. L'Ikhde Tanya, comme la Braïta nous l'a enseigné. Vayashem Moshe et Divraham El Hashem. Moshe Rabbeinu a rapporté les paroles du peuple à Kadosh Baruch Hu. Tib est écrit Bayaged Moshe Divrei Ha'am El Hashem. Et Moshe Rabbeinu a rapporté les paroles du peuple à Hashem. Il faut comprendre. Bayashev, il a répondu. Il a dit la réponse du peuple d'Israël.
כן, הקדוש ברוך הוא. Pourquoi il y a eu une réponse? C'est qu'il y a eu quelque chose, une demande. Rabba, la Braïta, elle dit, « Ma amarlo a kadosh baruch hu le Moshe ?» Qu'est-ce qu'il lui a dit? « Ma amarlahem Moshe l'Israël ?» Qu'est-ce qu'a dit Moshe à Israël ?« Ou ma amru Israël le Moshe ?» Ou ma haïshiv Moshe le kadosh baruch hu. Donc il faut remonter à tout cela. Vayashev, quand tu dis Vayashev, Moshe divrei ha'am el Hashem, il a rapporté les paroles du peuple à Hashem. Il faut se poser la question. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Et qu'est-ce qu'il leur a dit? D'où il a reçu cela? C'est de Akash Baruchou. Qu'est-ce que lui a dit Akash Baruchou? Et qu'est-ce qu'il a dit Moshe à Akash Baruchou également? Alors voilà quatre questions. Ma amarlo Akash Baruchou le Moshe. Qu'est-ce qu'il a dit Akash Baruchou à Moshe? Ma amarlahem Moshe l'Israël. Qu'est-ce qu'il a dit Moshe à Israël? Ensuite, ma amru Israël et Moshe. Qu'est-ce que Israël ont répondu à Moshe? Ou Mahishiv Moshe l'Ifne Hashem, quelle a été la réponse de Moshe devant Akadosh Baruch Hu? Alors, on dit Zo Mitzvah Hagbala. C'est la Mitzvah Hagbel et Tahar. Il faut limiter, il faut faire une agbala, définir le har, le kiddashto. Divrei Rabbi aussi, Bar Yehuda. Rabbi Omer, Rabbi va dire non. Il y a deux verbes. La bouteille, prêtez attention à cela. Vayashev Moshe et divrei ha'am el Hashem. Et après, il est dit, Vayaged Moshe divrei ha'am. Aval Vayaged Moshe et divrei Hashem el Ham. Alors, il dit comme ça. Rabbi Omer Batehila Piresh Onsha. Au début, il a été mefaresh les onashim, les châtiments de celui qui va transgresser la Torah. Dirtib, Vayashev Moshe, Devarim Shemishabevin Dato Sheladam. Vayashev Moshe, il a écrit, il a rapporté, il a expliqué à Am Israël les onashim de la Torah. Les onashim, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il mérite comme châtiment. D'où il tire cela, Shemisha Bevin. Quand on veut dire que quelqu'un il est dérangé, il dérange moralement, on dit Yelet Shovav. Shovav. Shovav qui veut dire qui ne se laisse pas du tout dirigé, n'est pas obéissant. C'est pour cela qu'il dit Vayashem Milashon Devarim Shemishabevin Dato Sheladam. Shemishabevin qui font peur, qui font trembler les Dat Sheladam. Ulbasov Pirash Matan Sechara. Vayaged Moshe. Moshe a rapporté, Vayaged Devarim, Shemushim libo shel adam ka agada. Vayaged Moshe divrei ha'am el Hashem. Vayaged milashon agada, agada, parce que la agada c'est quelque chose qui est moshechet. Quand quelqu'un il écoute divrei agada, on a dit que Rabbi Abou, quand il,
quand il s'adressait au peuple, tout le monde venait autour de lui. Et quand je pense que c'est Rabbi Ami qui parlait, qui faisait une dracha, et il avait très peu de gens qui l'écoutaient. Alors Rabbi Ami s'est étonné, il a dit à Rabbi Abou, toi tu rassembles, tu attires des foules, et moi, il a dit, « M'sholecha ma shalima d'avoir donné. » Il y a deux vendeurs. Un qui vend des petites bricoles aux femmes, des peines, des aiguilles, des dés. Okay? Et l'autre qui vend des bijoux de valeur. Alors, qui c'est qui va attirer la clientèle plus, d'après vous? Le premier. Mais, les accessoires. Deuxième. Non, le premier, les bijoux, c'est rare qu'on achète. Le premier. Le premier, parce que c'est les prix sont c'est abordables plus. Pour tout le monde. Dollar store. Voilà. Dollarama. Dollarama. Voilà. Tandis que, lui a dit, moi, ce que je donne au peuple, c'est du vrai agadas, des moschim. Tout le monde vient acheter, mais toi, tu donnes des halakhot, des choses essentielles. C'est dur pour eux, alors il faut les acheter avec beaucoup d'efforts, avec beaucoup de... Il faut les payer avec monnaie sonnante. Ça va à guette. Bika d'Amri. Il y a ceux qui disent c'est le contraire. Au début, il a donné quelle est la récompense de celui qui va accomplir la Torah. C'est quoi? Vaya chez Moshe Devarim Shemishivin Dato Shelada. Miyashivin également. Miyashivin ou Miyashivin. Il a dit des choses, des paroles qui apaise l'esprit d'une personne. Et c'est quoi? C'est le matin Sahar. Le Bassof Pirachancha. Le Bassof, il a dit le Honesh, chez Nehemar, Vayaged Moshe de Varim Akashim, le Adam qui Gidin. Gidin, c'est Esev Mar. C'est une herbe très amère. Alors, qui Gidin? Il leur a expliqué les onashim de la Torah. Au début, c'est les sakhar. À la fin, c'est qu'un... Traduit ici par absinthe. L'absinthe. Oui, parce que c'est amer. C'est amer, oui. C'est ça. Oui, elle est amère, mais il y a plus amer que l'absinthe. Oui. Oui, l'ana. L'ana va mar. Il y a ceux qui disent c'est l'ana. Avant Rashi Alav Shalom, il a dit Esev mar. Esev mar. Une herbe amère. Pardon, il y a rek mar. Ah. Un légume. L'absinthe, c'est pas. Vous savez que l'absinthe, c'est un es. L'absinthe, vous la voyez petite. Mais c'est un etz. Si vous voulez faire une bracha, oui. Une bracha boré atse besam. Atse besam. Mm-hmm. Okay. Voilà, si vous n'avez pas très bien compris, on va recommencer un peu demain pour pouvoir impressionnant. Rétablir un petit peu les choses à leur place. Merci Rabbeinu. Merci Rabbi. Jusqu'à la mitzvot, Be'ezrat Hashem. Amen. Bonsoir.